Lorsque votre téléphone s'éteint à cause de la batterie, c'est grâce au tantale si vous ne perdez pas vos données. Avec 3 condensateurs par smartphone, l'industrie du portable est l'un des gros consommateurs de tantale. 80% des réserves mondiales de ce minerai se trouvent en République démocratique du Congo. 6000 km plus tard, nous voici à Rubaya, dans le Nord Kivu. C'est ici que la grande majorité des marques de portables extraient l'indispensable tantale. Pourtant, à peine arrivé, on comprend tout de suite ce que ça veut dire de vivre dans le deuxième pays le plus pauvre du monde. À Rubaya, pas de route, pas de réseau, pas d'électricité, pas d'eau potable, peu de nourriture. Et au milieu, coule une rivière, sans pont. Pourtant, la ville est adossée à une mine d'or, ou plutôt à une mine de tantale, perchée, tout là-haut. Pour s'en rendre compte, il faut gravir la montagne et remonter le balai incessant des transporteurs de minerais. La voici, la mine de tantale. Ce sont ces trous dans lesquels les mineurs s'engouffrent. 3000 personnes travaillent ici jour et nuit. L'année dernière, 360 tonnes de tantale brut sont sorties de ces puits. Ici, le tantale brut, on appelle ça le coltan. Un sac de 40 kilos comme celui-ci se vend 600 euros aux intermédiaires au sortir de la mine, mais jusqu'à 3500 euros sur le marché international. Une richesse qui devrait profiter aux mineurs et surtout garantir des conditions de travail décentes.